tenez deux doigts appuyés sur l'écran jusqu'à ce qu'un son retentisse. La fonction Voice Assistant est activée. Parcourir l'écran. Aucune interaction tactile n'est possible lorsque le didacticiel est lu à haute voix. L'écran actuel contient des icônes d'application. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Depuis le temps que on ne s'était vu, j'ai enfin reçu mon Galaxy A3 2017. Alors, on va faire aujourd'hui la vidéo déballage, le premier démarrage de cet appareil qui, vous allez voir, est assez surprenant par ses specs. On a vraiment un appareil petit, mais vraiment robuste, avec une autonomie doublée par rapport à l'iPhone. On a donc une autonomie de 14 heures en téléphonie, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Ce Galaxy A3 2017 est aussi IP68, protégé de l'eau et des poussières. Comme dans toutes mes vidéos, vous allez voir cette accessibilité. Comme Samsung, il comporte aujourd'hui l'assistant vocal. On aura possibilité derrière d'ajouter le Talkback sans problème. Alors vous allez voir vraiment un très beau design. Les premiers détails que l'on rencontre, c'est une boîte très épurée. Lorsqu'on l'a face à soi, en bas à gauche, en relief, on a donc Galaxy A3 de marqué. Une boîte blanche avec très peu d'inscriptions à part sur le dessus et une étiquette derrière qui nous explique toutes les spécificités de ce téléphone. Le petit canif qui va bien ici. On va pouvoir ouvrir la boîte. On tombe instantané sur le téléphone. Alors le téléphone, déjà en termes de toucher, on sent déjà que c'est un très beau téléphone. Je vous montre de très près la finesse de ce téléphone, le Galaxy A3 2017. On est vraiment sur un très beau téléphone. On va enlever cette petite étiquette. Un téléphone tout en verre, très belle surface. Au point de vue du poids, on est vraiment sur un téléphone léger. Et je vous montre de près l'arrière qui est un arrière en verre. Le bouton Home est sur le Galaxy A3 2017. Ce bouton Home a un capteur d'empreinte. À l'arrière, on a donc un flash LED avec un appareil photo de 13 millions de pixels, ce qui est énorme, et à l'avant un capteur photo de 8 millions de pixels de capacité 16 gigas. Vous allez pouvoir augmenter la capacité de mémoire jusqu'à 256 gigas de mémoire supplémentaire avec une carte mini SD. Ce téléphone, on va pouvoir lui mettre de la nano SIM. Le chargeur est de type C. Sur le côté gauche, les boutons de volume. Sur le haut de l'appareil, on sent un petit micro. Sur le côté droit de l'appareil, on va trouver donc le bouton marche arrêt. Et sous l'appareil, on va avoir à la droite le port jack pour pouvoir donc brancher notre casque audio. On va donc continuer le déballage de la boîte pour voir ce que Samsung nous offre. On va lever le petit carton avec à l'intérieur différentes notices. Nous est livré donc un casque Samsung, donc un casque compatible bien sûr avec notre téléphone et avec un petit bouton pour lancer le OK Google. On a donc avec ce téléphone pour mettre sur notre casque différents adaptateurs supplémentaires. Si on en perd un, ça vaut toujours le coup d'en avoir. Un adaptateur de type C. On a le câble de rechargement, bien sûr. On est bien sur un adaptateur de type C. Et on a donc le chargeur mural qui va avec donc notre câble pour recharger notre téléphone. Et voilà tout ce que nous offre la boîte. C'est déjà pas mal. Un casque, pas mal de choses qui vont nous permettre de faire fonctionner
notre Galaxy A3. On va donc passer au démarrage de l'appareil et à la configuration. Alors, ce Galaxy A3 est donc résistant à l'eau et à la poussière, IP68. Vous pouvez l'obtenir en 4 coloris. Ici, moi, j'ai choisi la coloris noire. Je viens tout juste de l'allumer. Premier démarrage de l'appareil, après une trentaine de secondes. Si vous voulez que l'appareil commence à vous parler, on va poser 2 doigts sur l'écran et patienter que une petite voix se fait entendre. Je pose 2 doigts. Maintenez 2 doigts appuyés sur l'écran jusqu'à ce qu'un son retentisse. La fonction Voice Assistant est activée. Parcourir l'écran. Aucune interaction tactile n'est possible lorsque le didacticiel est lu à haute voix. L'écran actuel contient des icônes d'application. En positionnant mes 2 doigts sur l'écran, l'assistant vocal de Samsung se met instantanément en marche. Le Voice Assistant se met en marche et va vous guider durant toute la configuration au premier allumage de votre A3, comme le ferait VoiceOver au triple tap. Bouton démarrer. Affichage portrait. Insérez une carte SIM pour accéder au service réseau. Paramètres Wi-Fi. Ajouter un réseau. Suivant touche. Ajouter un réseau. Livebox 7062. Mot de passe. Afficher le mot de passe. Afficher les options avancées. Annuler. Connexion. Clavier affiché. Comme cela, toute l'activation va se faire au fur et à mesure pour arriver jusqu'à l'écran d'accueil. Vous allez être assisté de Voice Assistant, le lecteur d'écran de chez Samsung. Une fois votre mot de passe rentré, on va lui demander de se connecter. Bouton connexion. Le clavier est masqué. Paramètres Wi-Fi. Affichage des éléments 1 à 3 sur 3. Connecté au réseau Wi-Fi Livebox 7062. Une fois connecté, en bas à droite, on va trouver le bouton. Suivant tout. Suivant. Le présent contrat de licence utilisateur final. On est donc sur le contrat de licence que l'on va accepter. Bouton radio copier compte Google. Bouton radio nom. Merci. Bouton retour. Bouton suivant. Ensuite, la fenêtre qui suit nous demande de rentrer notre compte Google. Je vais de suite le faire. On a donc aussi une possibilité de protéger notre appareil. Activer les fonctionnalités de protection de l'appareil pour empêcher d'autres personnes d'utiliser ce téléphone sans votre autorisation. En savoir plus. Bouton radio configurer l'empreinte digitale, sélectionné. Bouton radio configurer un code, un schéma ou un mot de passe, non sélectionné. Bouton radio non, merci, non sélectionné. Bouton retour. Bouton suivant. On va pouvoir configurer notre empreinte digitale sur le bouton Home pour déverrouiller notre Galaxy à la manière de l'iPhone. Une fois que l'on veut dédier notre empreinte, placez votre doigt sur la touche accueil, décollez-le, puis répétez l'opération. Déplacez légèrement votre doigt vers le haut, le bas entre chaque tentative. On va dédier notre pouce droit sur le bouton Home. 4% ont été atteints, 9% ont été atteints, 14%. Alors comme vous entendez, c'est en système de pourcentage jusqu'à ce que notre empreinte soit correctement reconnue. 50% ont été atteints. 95%, 100% ont été atteints. Notification sur l'écran. Voilà donc, la configuration est terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Lorsqu'on allume notre Galaxy A3 2017, voilà ce qui se passe. 10h30. Utilisez l'empreinte ou le glissement pour déverrouiller. On va pouvoir utiliser l'empreinte digitale. 3 sur 5. Et ici, vous pouvez voir. Page 4 sur 5. Page 3 sur 5. On arrive sur toutes les applications, sans aucun souci. Les indispensables, Galaxy, un choix d'apps incontournable. Voilà, donc je vous laisse au niveau des couleurs de l'écran. Vraiment un très beau smartphone. Ici, je vous montre l'arrière. Volet des notifs Galaxy. Sa finesse. Voilà pour le Galaxy A3 2017. Alors, je répète donc. Alors, ce téléphone est équipé de Android 6.0 Marshmallow. Un tout nouveau appareil photo de 13 millions de pixels. Un processeur octocore de 1,6 GHz. L'écran est de 4,7 AMOLED HD. Un bel écran. On peut donc le trouver en espace de stockage de 16 à 8 Go.
avec une extension de carte mini SD de 256 Go. Le type de SIM que l'on met à l'intérieur de ce téléphone est Nano SIM. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à ma chaîne, car actuellement plus de 200 vidéos sur la chaîne de tutos, de démos et de présentations. J'ai reçu beaucoup de produits à vous montrer dans les prochains jours, mais attention, la semaine prochaine il y a un salon très important à Toulouse, Autonomique 2017 de Toulouse. Donc si vous voulez me rencontrer, n'hésitez pas à venir à Autonomique, je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Je vous dis donc à la prochaine. Salut.